Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour du Coliseum, Xelor, Horreux TPA, Ika Flip Feu, Sacri Urter, contre Sacri, Sadie, Eni, Code 4176. C'est parti, là je suis un peu tilt parce que mon précédent colis je l'avais gagné, mais j'ai mis Slick sur le tour décisif, ce qui m'a fait perdre, donc ça rend fou. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Tyranny Crocobur sur le Sacri, donc Sacri O. Ça c'est un mode assez intéressant que je serais très curieux de tester, je pense que c'est très strong. Triple prix tech de Makuro. Pas grand-chose de plus après. Ok. Ça va être très violent le mode du sacri. Alors c'est intéressant, je veux voir du coup si ça proc Crocobur et Émeraude. Alors pour ceux qui savent pas. Attendez, je vais faire mon tour, on en parle après. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Comme ça. Comme ça. On va se faire une petite prémo ici. Une petite désynchro. Un peu surprise comme ça là. Ça devrait être pas trop mal. Faut que je fasse gaffe aux zones avec le Sadie. Faut pas non plus trop que je m'expose mais. Donc en fait, tyrannie, faire de la tyrannie, c'est un truc qui fait que c'est sur une. C'est une ceinture, je crois, chance. Qui fait que vous attirez à la fin de votre tour à deux cases en croix de 3. Et combiné à la Crocobure qui met des dégâts au cac, je crois que c'est la proc. Hein. Et du coup, avec un émeraude aussi, ça peut être archi intéressant comme mode. Donc c'est du sacri haut. On va venir chercher l'odorat ici. Le chaton en retrait. Faut que j'avance un peu, mais que je fasse gaffe quand même à respecter le Sadie. En vrai de vrai, je pense que je vais me mettre ici. Avec ça, on peut avancer vite fait. Bon, on est bien éloignés les uns des autres. Ah, puis aussi, ça le met en état indéplaçable. Hein. Si la personne a son cac, la ceinture qui le fait attirer, ça lui met aussi en état indéplaçable. Donc, bah, c'est un bon counter aux Xel en fait. C'est très intéressant comme item. Et en plus, ça fait des res mêlées ou des res distance, je sais plus. Mais je pense que je vais tester des modes comme ça m'a l'air très très fort. Ok, le Sadie qui pose son jeu tranquillement. Ça va être compliqué de casser la distance. Ça va beaucoup dépendre de ce que va faire le Sacrieur. Moi je vais rush évidemment. Attendez, pourquoi il y a deux. Ah oui, c'est une désynchro ça, putain, je t'ai perdu. Ok, tac. Tac. On va rush, hein, je pense. C'est le Sacri qui joue ensuite, ça va aller là. Et mon Sacri, je vais le mettre ici, comme ça s'il veut me faire une attirance, en vrai il va se bouffer la désynchro. On va voir ce que ça vaut comme ça. Le problème c'est que là le Sadie va être free de poser son jeu. Idéalement il faudrait que je puisse ramener le... Eh bah oui. Eh oui. Bah oui, évidemment. Bon, est-ce qu'il avance le Sacri? C'est ça la question. Là, je vais juste pas pouvoir jouer en fait. Après, je crois que ça se debuffe avec des dégâts à distance. On va vérifier ça tout de suite. Ah bah non, ça devait être dégâts mêlés, mais pas de chance. Alors, on va venir mettre ça comme ça. Cadran par là. Pylori, c'est dégâts mêlés du coup pour debuff. On va check ça tout de suite. Si je trouve le sort, Pylori. C'est dommage en mêlée, d'accord. Ouais, ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi, là, j'ai ramené le sacri, du coup. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis en train de redécouvrir aussi la méta et tout. Je suis pas allé sur toutes les variantes parce que j'ai peu joué hein, depuis que tout ça est arrivé dans le jeu, toutes les nouveautés. Donc, je prends en main aussi, je redécouvre tranquillement. On est là pour ça également. C'est des colis sans pression pour tester un petit peu la méta, regarder les modes. Vraiment, là, le mode du sacri haut, ça me chauffe de fou. Bon, après, il est en deux esquives PA, malus reste distance, du coup. Alors, est-ce que les restes distance. Ah, il me faudrait que je check la ceinture. Est-ce que c'est reste distance ou reste mêlée? Sauf quel cas, sinon.
Ça peut compenser limite avec la crocobure, quoi, ça peut être intéressant en vrai. Un petit coup de baguette. Double coussinet, je pense. Pas de crit, ça c'est un peu unlucky. Faut que je fasse attention à pas lui donner trop de zone. Bon, dommage, l'Eka n'a pas pu être dans la zone du cadran. Vas-y, on va venir soigner ça tranquillement. On va rester relativement à distance. Faut que je fasse gaffe aux zones, faut pas que j'aligne mes entités pour pas qu'ils puissent prendre de zone. Attendez, par contre, son sacré, il n'y a plus de PV là. Ah ouais, c'est pas mal ça. Parce que là, il y a peut-être moyen que je le tue en fait, parce que là, le Sadi, il va pas faire grand chose. Je pensais qu'il allait me détruire avec son mode, mais en fait je suis en train de me rendre compte que là je vais peut-être réussir à le fracasser en fait. Alors par contre, pourquoi il n'était pas indéplaçable à la fin de son tour le Sekri? Faudra que je check ce qui s'est passé. Ou alors c'est... Si t'as une entité à ton cas que t'es pas indéplaçable, qu'elle soit alliée ou ennemie, il me semblait que c'était ennemi. Faut que je vérifie tout ça, parce que là il y a des trucs à voir. Et en vrai, attendez, mais je crois que je le tue son Sekri 1000 fois en fait. J'ai peut-être même pas besoin de me berserk. Ouais, j'ai même pas besoin. Bah ouais, bah je pensais pas que je pourrais faire quelque chose d'aussi efficace que ça, je vous avouerai. Attendez, mais je peux même ramener son Sadi en fait. Mais c'est le combat parfait ça! What the fuck? Vas-y, je vais me pacte. C'est insane ce combat là. Je pensais jamais que j'allais pouvoir m'en sortir aussi facilement. Je m'attendais vraiment à ce que je me fasse détruire par son sacri. Mais que je sois en mode, bon bah je me suis fait fracasser, mais c'est pas grave, on apprend un peu la méta. Je pensais jamais réussir à le tomber en fait. Tu sais, c'est qu'effectivement il avait le malus de reste distance de la crocobure. Et bah forcément ça fait mal ça. En vrai, on va y aller comme ça. Comme ça. Je vais booster mes pétrifs. Soit je booste les pétrifs, soit je vais lui caler mon ébène. On va plutôt faire ça en vrai. Il est taclé. Je vais rester là, je suis bien. Ok, bah écoutez, ce combat qui... je pensais vraiment sur le papier que j'allais me faire rouler dessus. En plus, quand j'ai vu Sadi Yeni sur la grande map, comment il a posé son jeu caché. Ça s'est parfait. Ça s'est parfaitement bien passé. J'ai pu casser la distance juste comme il fallait. J'étais vraiment très très limite, hein, vous voyez, sur la mobilité pour ramener... Je regarderai attentivement le replay pour voir pourquoi le Sacri n'était pas indéplaçable. Ça, ça m'intéresse vraiment pour le coup. Enfin, en fait, à la fin du combat, on prendra 2 minutes pour ouvrir l'encyclopédie et aller regarder l'item, comment il se comporte. Mais là, c'est assez huge. Faudrait que je puisse péter sa sacrifiée en vrai. Ah non, c'est pas la sacrifiée, pardon, c'est la folle que je veux péter. Parce que ça peut être assez compliqué à gérer. Ouais, je veux pas laisser la folle. On va audace. On va entre chat. On va chercher les... Ah, je pensais le tuer. Ah, je pensais avoir les PM. Ah bah si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je pensais que c'était une case de plus, seulement. Bon, vous voyez, quand je vous disais qu'on est encore en train un petit peu de prendre tout en main... Vas-y, je la touche pas. On va y aller comme ça, c'est pas grave, on n'est pas à un tour près de toute façon, là, le colis, il n'y a plus trop de danger pour moi. Si je troll pas, normalement c'est une free win. Je voulais juste pas qu'il parte en mode full dégâts multi-cible avec la folle qui me met dans la sauce. Vous voyez, ça c'est l'ébène de Mangzel, ceux qui me disaient que ça sert à rien de jouer ébène sur Mangzel Euro TPA. C'est très intéressant pour les 42 fuites qui sont huge, et vous voyez, là je mets quand même du petit 255 à l'ébène, x2, c'est quand même très intéressant, ça me coûte pas grand chose à placer. Ça fait très très mal son truc là. Ok, force de la nature, c'est le sort où plus il y a d'arbres sur la map, plus ça tape fort. Effectivement, c'est assez vénère. Le sacri. Ok, qui prend des dégâts, limite ça m'arrange, je vais taper plus fort. Et là, on va pouvoir sortir un peu nos petites dingueries. Ah bah quand je crit, c'est marrant parce que... Vous voyez les dégâts que je mets, c'est assez insane, et en plus je me régène du coup avec le supplice. Quand j'ai des colis qui sont archi serrés, genre j'ai jamais de crit, vraiment. Et puis là, évidemment que bah, ça se passe bien et que on va dire le combat est gagné, bah évidemment je lâche mes meilleurs crits qui défoncent tout. C'est normal, hein, c'est Dofus, vous inquiétez pas. On va booster les pétrifs en vrai.
J'aurais aimé pouvoir faire un téléfrag avec Lenny. Il va où si je les ramène? Il va par là, ça m'arrange pas de ouf. Hein. Ah si, je peux faire ça. Bon, c'est vraiment gameplay 0,5 sur 20. Ah merde, je pensais qu'il y avait 3 ma pétrif, bon bah du coup c'est de la merde. Ok, NP. Je voulais mettre un stack de pétrif mais il me manquait un PA en fait. Bon bref, bon ouais, c'est du détail ça si vous voulez. Tout bien, on va dire un petit GG quand même, mais du coup c'était un peu un no match. Je pensais vraiment que le sacré il est tanké plus. Alors il faudra vraiment que je regarde hein, ce qui se passe du coup avec le... Vas-y, on va utiliser ça pour casser l'ivoire, comme c'est double ligne, c'est plus intéressant. Faut que je regarde ce qui s'est passé avec... Avec son stuff là, on va regarder ça juste à la fin. Je vais juste terminer tranquillement. Hop. On va se berserk. Tac. Tiens, on tape avec plus avec punition ou avec ça? Tiens, on va lui mettre une petite entaille. J'aurais même pu. Oui, non, si c'est correct. Ouais, ça fait une sacrée diff entre crit et non crit quand même là sur mon cac. Hop. On recasse l'ivoire. Parfait. Là, du coup, nos pétrifs, on s'en fout un peu. Bon, bah, c'est un stomp, c'est vraiment un stomp total. Je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout sur cette map contre cette compo. Je pensais que j'allais en chier et je pensais pas trop pouvoir win. Alors, on va regarder tout de suite ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ça doit être servitude, hein, je crois. Étreinte de servitude, voilà, c'est ça. Normalement, là, vous l'avez à l'écran, c'est bon. Donc, 400 vita, 100 chance, 1 PM. Malus PO, OZEF, initiative, tag, vraiment pour le sacré c'est excellent, malus d'esquive PM, bon ça c'est pas très gênant. Il y a effectivement les 10% de reste distance, donc ça compense avec le malus de 10% de reste distance de la Crocobure. Vous voyez l'intérêt de jouer les deux en même temps? C'est assez huge, parce que du coup avec Crocobure, tac, voilà, vous voyez, vous jouez les deux trucs là ensemble. Et bon, la crocobure c'est très très strong, mais il y a le malus de reste distance qui est un peu relou, et avec ça, bah, ça compense, donc vous n'avez plus le malus. Et par contre, vous avez un mode qui est très très intéressant, parce que même avec 0 PA, en fait, vous faites des dingueries. Et si, je pense que c'est le cas, hein, l'effet crocobure et du Dofus Emerald s'applique après le déplacement de la servitude, donc vous voyez, ça fait à chaque fin de tour, le porteur attire de deux cases des entités en croix 3 autour de lui. Si à la fin de son tour, le porteur n'a aucune entité à son contact, alors il rentre dans l'état indéplaçable jusqu'au début de son prochain tour, l'état est retiré s'il subit des dommages. Ok. Ok, donc en fait, le Sacri n'a pas été indéplaçable parce que je crois qu'il devait avoir un arbre ou une poupée à son cac. Donc je pensais que c'était, s'il n'avait aucune entité ennemie à son contact, il était indéplaçable, mais en fait c'est ennemi ou allié. Ok, et par contre j'aurais quand même pu lui débuff avec un sablier. D'accord, donc ça c'est le genre de mécanique qu'il faut avoir très très bien en tête, là vous voyez, bon ça s'est bien passé mon T1, mais j'aurais pu le fail, et il aurait fallu que je corrige ma connaissance. Donc là j'ai appris des trucs. Ok, donc servitude, ça marche comme ça. Donc ça peut se débuff avec un sablier de Xel si je veux ramener quelqu'un. Bon, du coup, c'est pas si broken. Mais quand même, la synergie, vous voyez, entre les deux items est énorme. Hein, pour un sacrieur, notamment, ou pour des classes un peu mêlées, type Ouginak, type Upper Mage, qui peuvent se jouer un peu tanky, dégâts mêlés. C'est vraiment, vraiment énorme. Et je pense que je vous sortirai un jour ou l'autre ce genre de mode en vidéo Coliseum. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.